Peut-être avez-vous entendu parler de Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie en France, qui a conseillé à tout le monde de faire un boycott du Nutella au début du mois de juin. Elle espérait, ce faisant, conscientiser la population au fait que cette tartinade contient de l'huile de palme, un ingrédient qui se retrouve dans plusieurs produits de votre quotidien et qui, souvent, est produit après une déforestation massive, selon la ministre. L'industrie de l'huile de palme trouve la production peu coûteuse et très rentable. C'est pourquoi elle transforme tant de forêts en plantations de palmiers à huile, qu'elle utilise ensuite dans la fabrication de plusieurs produits tels le shampoing, le dentifrice, les crèmes pour la peau, la margarine, les frites et le fameux Nutella pour ne vous nommer que ceux-ci. Les plantations d'huile de palme sont souvent faites aux dépens de forêts déjà existantes. En Indonésie, chaque an, plus d'un million d'hectares de forêts se font décimer, majoritairement pour être transformés en cultures de palmiers à huile. Un peu plus de 80% de la production mondiale d'huile de palme provient d'Indonésie et de Malaisie. Pour la déforestation, les compagnies productrices d'huile utilisent généralement le feu. Cela met en danger plusieurs espèces de la faune et de la flore qui tendent ensuite à disparaître. De plus, les forêts laissent s'échapper une importante quantité de dioxyde de carbone dans l'air lorsqu'elles sont détruites. La couche d'ozone en souffre, comme la qualité de l'air des populations locales qui devient de moins en moins acceptable. La production d'huile de palme peut continuer son expansion sans toutefois causer la perte de forêts importantes pour la biodiversité de celle-ci, qui est maintenant en péril. Le boycott du Nutella proposé par Ségolène Royal n'est pas la solution au problème de la déforestation. En effet, la compagnie Ferrero n'utilise que de l'huile de palme provenant de cultures encadrées par une certification empêchant la déforestation de forêts primaires. Ne pas acheter de Nutella ne ferait donc pas pression sur les compagnies qui font de la déforestation massive. En tant que consommateur, informez-vous sur les réglementations. Trouvez quelles sont les compagnies qui respectent le plus leurs employés et l'environnement, puis achetez leurs produits au lieu d'encourager celles qui négligent la planète et ses habitants. Optez pour la modération et ainsi, faites une différence en étant vraiment conscient de ce que vous achetez.